dans son jardin? Tout le monde doit avoir sa centrale nucléaire, comme ça ils savent de quoi ils meurent rapidement. Et est-ce le problème? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire des déchets? Est-ce qu'on pourrait les manger par exemple? Ça pourrait être une idée de recyclage, puisqu'on ne sait plus quoi faire de nos déchets. Donc ton slogan c'est du nucléaire dans mon jardin, mangeons les déchets. Absolument, je trouve que c'est le meilleur des slogans. Bonjour, vous appelez comment? Qui? Et vous travaillez pour quoi? Vous militez pour quoi? Pour le nucléaire, c'est ça? Vous voulez du nucléaire? Qu'est-ce que vous voulez dans votre jardin en fait? Vous voulez une centrale nucléaire dans votre jardin? Et vous voulez manger des déchets, c'est ça? Non, vous militez pour ça? Vous voulez pas manger des déchets? Ce serait pas une bonne solution? Est-ce que vous voulez aller à la boutique? Oh non, non, j'ai des capteurs sur mon toit et ça suffit très bien. Ah bon? Vous êtes un sauvage alors? Et vous vivez bien quand même? Eh oui. Et ça va? J'ai pas de remords. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique? Non. Vous avez des capteurs chez vous? Vous payez pas EDF? Je suis adhérent à Sortir du Nucléaire Véripuisé, adhérent à l'ACRO, à la CRIRAD et au Réseau National. Et donc ce sont des associations qui luttent pour les centrales nucléaires? Contre les centrales nucléaires. Contre? On peut être contre? Vous savez, jusqu'à 42 ans, j'étais pro-nucléaire. Ah bon? Parce que j'entendais les discours bien rodés du gouvernement, des pro-nucléaires. Et voilà. Alors pourquoi j'ai changé d'avis? Je ne sais pas. C'est la question que vous devriez me poser. Je vous la pose. Eh bien, à 42 ans, il y a une espèce de nuage qui s'est arrêté aux frontières. Et j'ai trouvé ça tellement gros que je me suis renseigné dans les documents officiels, et j'ai trouvé un autre mensonge, enfin une autre énormité, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui en 1959 a signé avec l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique le pacte, la charte du diable, qui consiste à dire que l'OMS ne peut pas parler du nucléaire, des pathologies, sans l'autorisation de l'AIEA. Et à partir de là, je ne fais que découvrir des mensonges. Par exemple, la première publicité d'EDF expliquait dans un beau diagramme le fonctionnement d'une centrale. Et sur ce beau diagramme, il y avait des rejets par la cheminée de réacteurs, des rejets radioactifs. Les rejets radioactifs et toxiques dans les rivières. Et depuis quelques années, ce même diagramme a gommé tous ces rejets, alors qu'ils sont existants. Vous voulez une centrale nucléaire dans votre jardin, c'est ça? Vous n'en voulez plus? Ah bon? Mais c'est dangereux, donc c'est agréable de vivre avec vous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on a utilisé au débat public sur le PR à Penly. C'est une militante anti-nucléaire, Michel, qui a réussi à rétorquer à tous les membres du débat public que voilà, ce que ça lui inspirait, le discours des nucléaires. Et vous voulez, comme tout le monde, une centrale dans votre jardin pour être autonome? Exactement, voilà. Exactement, parce qu'on est à un siècle où on avait de tels progrès qu'on a le droit d'avoir cette énergie. Hein, voilà. Cassons des atomes. Et je me dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on nous emmerde avec des déchets nucléaires? On n'a qu'à les manger. Mais clairement. Voilà. De toute manière, le nucléaire, c'est de la bombe. Oui. Tout le monde le sait aujourd'hui. Alors bon, on va pas vivre comme des Ariélés. Il faut vivre avec son temps. Hein. Chacun doit manipuler, doit essayer un peu chez lui. Hein. C'est très important. Voilà, donc en conclusion,
vivre le nucléaire dans mon jardin et pour le bouffer. Exactement, exactement. Et pour, mais pas que pour le bouffer, je veux dire, bientôt on pourra se laver le avec le nucléaire, je pense qu'on pourra tout faire avec le nucléaire. On se formera un nucléaire, nous serons nous-mêmes des entités nucléaires et nos corps prendront vie lorsque nos atomes déchaînés se déverseront sur le monde avec une force, je veux dire, atomique. Voilà. Bonjour, vous vous appelez comment? Bernard. Ah, et qu'est-ce que vous faites là? Vous militez pour les nucléaires, c'est ça? Voilà, en faveur du nucléaire, je veux des centrales. Je suis d'un département où on n'a pas de centrale. Donc si on pouvait peut-être en avoir une. Là, ils ont 4 ou 5 réacteurs à Chinon, là. C'est pas logique, ils ont autant que ça. Nous, on en veut, on y est. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, des centrales? Ben, je sais pas, des feux d'artifice. Il paraît que c'est drôle, ça amuse la galerie. Donc voilà, petit feu d'artifice. Et les déchets, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ah ben ça, on envoie tout en Meuse, en Marne, à Bure, là, ça y est. Ils ont fait leur trou, et il paraît qu'ils vont tout mettre là-dedans, et puis ils se démerderont avec. Mais c'est pas du gaspillage, on ferait pas mieux de les manger? Oh, non, non, non. C'est marrant parce que là, on peut attendre aussi un feu d'artifice, et sera la suite. Mais moi, je te disais que ça devait être bon quand même. Non, vous croyez pas? Non, 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 non. Ça pas une escalope de plutonium, non? Il paraît que ça n'a pas de goût, cette connerie. Puis au moins, on saurait de quoi on meurt? Oh, bah non, bah, y a les voitures, les trains. Non, faut pas exagérer quand même. Ah bon? Non, non. Attends, ils sont là. Bah, faut être raisonnable. Vous êtes là pour quoi? Pour la défense du nucléaire, c'est ça? Non, je suis plutôt pour les énergies renouvelables et les sources d'énergie propres. Oh, c'est des trucs de baba, ça? Je dirais pas que c'est des trucs de baba, je pense que c'est, ça nous concerne tous. Thank you.